ces escaliers, cette verrière, enfin, c'est un bijou ce bâtiment. L'architecte doit savoir rester humble et aller chercher les pépites d'or qui restent souvent cachées dans les bâtiments. On a voulu vraiment garder la trace historique, patrimoniale au titre de ce bâtiment. Il y a une sorte de patrimoine immatériel qui est le savoir-faire des artisans. Les vitraux sont tout à fait particuliers, extrêmement élégants. L'agence centrale, c'est quand même une espèce de vieille dame, de très vieille dame même. Le 29 Haussmann, construit au début du siècle passé, retrouve toute sa dimension et son utilité pour accompagner la transformation du groupe.